Et pourquoi justement des personnages comme celui d'Emma Baker est important pour la pluralité du cinéma? Pourquoi on a besoin que ces histoires-là soient dites? C'est un film sur le désir de la femme, et pour une fois, c'est une femme qui parle du désir de la femme. En général, quand même, dans le cinéma, la représentation du désir de la femme est faite à travers le regard d'un homme. Donc je trouve que la différence avec ce film, avec La Maison, c'est que c'est moi, une femme, qui me suis emparée de ce sujet-là. Je pense par contre que c'est primordial d'être capable aussi d'accepter les différences. C'est-à-dire que quand on voit ce film, donc la reine, c'est la prostitution, mais quand on voit l'hypocrisie qu'il y a autour de la prostitution en France, et quand on voit qu'il est inentendable qu'une femme qui choisit de faire ça, on entend tout le temps « mais non, elles ne choisissent pas, elles sont sous la coupe de quelqu'un, ou alors les pauvres », c'est que non, c'est pas vrai, faut qu'on arrête de penser pour tout le monde. Mais beaucoup l'ont choisi, et elles m'ont dit, mais Anissa, combien de personnes vont travailler en aimant ce qu'ils font? C'est pareil, c'est notre travail.